Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec vous pour une nouvelle recette, un moelleux au chocolat, simple et rapide. Donc pour cette recette, j'aurai besoin comme ingrédient 100 g de farine, 150 g de sucre en poudre, 4 blancs d'œufs, 4 jaunes d'œufs et 200 g de chocolat. Du coup, j'ai mis 100 g de chocolat au lait et 100 g de chocolat noir et j'ai rajouté 100 g de beurre. Donc, du coup, on va passer au mélange. On va commencer par monter nos blancs en neige. Donc, j'ai mis... Donc, voilà, nos blancs en neige sont prêts. Donc du coup, je vais mettre mes jaunes avec le sucre et je vais et avec 3 cuillères d'eau. J'ai oublié de vous préciser qu'il fallait 3 cuillères d'eau à soupe d'eau tiède. Donc voilà, voici nos jaunes d'œufs, hein. Du coup il faut qu'ils deviennent comme mon mélange, comme ceci, hein. Donc du coup ils ont blanchi, donc du coup là je vais rajouter ma farine et du coup j'ai oublié de vous dire et rajouter 9 g de levure chimique. Donc je vais rajouter ma farine et ma levure, hein, comme je vous ai dit. Hop, je rajoute tout d'un coup et du coup je vais mélanger. Voilà, et on laisse. Je vais rajouter mon chocolat. Voilà. Hop. Et là je vais rajouter mes blancs en neige que j'avais tout à l'heure. Donc j'ai pris un moule que j'ai beurré, donc voilà, et du coup j'ai introduit mes blancs en neige. Donc voilà le mélange, je vais le transformer. Donc je vais enfourner mon gâteau pour 15 à 30 minutes à 180 degrés. Donc voici mon gâteau une fois sorti du four. Donc je l'ai laissé refroidir et je vais le démouler du coup pour le décorer. Du coup j'ai pris 80 g de chocolat au lait que je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile de pépin de raisin. Voilà, c'est ça, huile de pépins de raisin. Donc voilà, ça se vend partout. Donc voilà pour mon chocolat, hein, ma ganache. Et du coup, j'ai pris moi des fruits. J'ai pris des fraises, des kiwis et j'ai pris du raisin aussi, donc, pour faire ma petite déco. Donc voilà. Donc tout d'abord, je vais commencer avec ma ganache. Comme ceci, vous avez vu, hop, vous en mettez un peu partout. Voilà. Voilà, hop. Bien couvrir. J'ai pris une petite cuillère pour... hop, je trouve que c'est mieux. Parce que comme le gâteau est fragile, faut pas trop l'abîmer en fait. Voilà. Et du coup, je ne mets pas la totalité comme ça. Je laisse pour décorer au-dessus de mes fruits. Voilà. Voilà, hop. Et voilà. Et là, je vais commencer à disposer mes, regardez, mes fraises. Je les mets comme ça. Hop. Voilà. Ça fait parler du
c'est réussi. Oui. Merci. Allez. Beaucoup, Karine, on est à tout à l'heure. 17h, on se prend dans un court instant avec les transgenres après l'agression de Julia, cette femme transgenre dimanche à Paris. On va essayer de comprendre si la transphobie est un phénomène en augmentation en France et puis discuter avec nos invités de ce qu'est le transgenre aujourd'hui dans notre pays. Mais c'est juste après que la météo. Regardez la vidéo avec les experts Euromaster. Toujours là pour les pneus et l'entretien des véhicules professionnels et particuliers. Bonjour à tous, c'est donc voilà, mon gâteau, je l'ai décoré comme ceci. Hein. Il y a du chocolat partout. C'est comme j'ai pris avec la cuillère et j'en ai mis au-dessus. Donc, du coup, ça donne ceci, mon gâteau. Vous avez vu. Voilà. Hop. Voilà. Très gourmand. Donc, voilà. N'oubliez pas de liker et abonnez-vous.